Le renard est un mammifère de l'ordre des carnivores. Le renard fait partie de la famille des canidés, comme le chien et le loup. Il en existe différentes espèces. Le plus commun dans le monde est le renard roux. Au Moyen Âge, le renard roux se faisait encore appeler « goupil ». Il se fit rebaptiser « renard » suite au succès de certaines fables de l'époque et dont le héros était un renard prénommé. Ce héros populaire a donc donné son nom à cet animal. Il existe une fable de Jean de La Fontaine appelée « Le corbeau et le renard ». Le renard fait partie des canidés comme les loups, les chiens et les coyotes. Le renard est relativement bas sur ses pattes. Il peut atteindre jusqu'à 1,20 m à partir du bout du museau jusqu'au bout de queue. Il pèse environ 6 à 7 kg. La femelle est un tout petit peu plus légère, avec environ 4 à 6 kg. Mais elle ressemble énormément au mâle. On reconnaît facilement le renard grâce à sa grande queue touffue, son museau fin, pointu, et ses grandes oreilles. La couleur de sa fourrure. Chez le renard roux, par exemple, elle est rousse mais peut varier du jaune au marron assez foncé. Vu que les renards sont des omnivores opportunistes, cela veut dire que les renards mangent aussi bien de la viande que des petits fruits. Ils mangent des petits mammifères, lapins, campagnols, petits rongeurs, mais aussi des fruits, des oiseaux de l'ordre des gallinacés, poules, pintades, perdrix, des poissons et même des vers de terre. Leur alimentation dépend bien sûr de leur espèce, de leur région et de leurs possibilités. Le renard vit dans une tanière qu'il a creusée lui-même, une renardière. Cet animal habite dans les bois, les forêts et les prairies. Il est présent au Canada, en Europe, en Asie et en Afrique du Nord. Il vit sur les terres cultivées, dans les clairières et la toundra. Parfois, il s'abrite aussi dans des tanières abandonnées par une marmotte ou dans une caverne. Le renard se creuse un terrier compliqué avec plusieurs issues et différentes chambres. Entre février et mai, la femelle met bas dans le terrier après 54 jours. Les 3 à 8 renardeaux sont couverts de poils mais les yeux sont encore fermés. Les petits ont la vue au bout de 12 à 15 jours. D'abord allaités, les renardeaux mangent ensuite de la chair préalablement mâchée par leur mère, puis des proies entières. Sevrés à 2 mois, les jeunes vivent en famille jusqu'à l'automne. Les renards ont un rôle important dans la régulation des rongeurs en campagne, tels que les campagnols, les mulots, les souris ou encore les rats. Ils en consomment des milliers chaque année, ce qui en fait des auxiliaires de culture efficaces pour les agriculteurs, permettant de limiter les dégâts que font ces rongeurs aux récoltes.
Ils ont également un rôle important dans la lutte contre la maladie de Lyme, en consommant les rongeurs sur lesquels vivent les tiques pouvant transmettre cette maladie, tels les campagnols et les rats-taupiers. Leur présence permet également de limiter le nombre de rongeurs contaminés en réduisant leurs déplacements. Les techniques de chasse aux renards sont le déterrage, effectué en période de reproduction, la chasse à court, au fusil, à l'arc ou le piégeage. En raison de l'élimination récente et généralisée par l'homme des grands canidés et des grands félins, les prédateurs du haut de la pyramide alimentaire dans de nombreux écosystèmes terrestres sont maintenant des carnivores de taille moyenne, tels que les lynx ou coyotes en Amérique du Nord. Or, bien qu'étant un prédateur relativement généraliste, le coyote élimine volontiers ses concurrents prédateurs, et notamment le renard. Il est démontré que l'activité prédatrice du coyote favorise l'abondance des oiseaux chanteurs et même l'abondance de certains rongeurs ainsi que la diversité biologique. Ceci s'explique par le fait qu'il réduise les populations de chiens et de chats domestiques ainsi que de renards, ce qui montre au passage l'importance du renard en matière de lutte contre les rongeurs. Les renards sont vecteurs de l'échinococcose alvéolaire, maladie qui peut se révéler mortelle chez l'homme. Cette pathologie se découvre plusieurs années après l'avoir contractée. Certaines personnes sont mortes, car on croyait à un cancer du foie. Ces maladies sont transmises par la salive ou les excréments des carnivores porteurs ou par ingestion d'aliments souillés par eux. Néanmoins, un cycle se forme entre rongeurs et renards. Le ver se trouvant dans les excréments du renard et les rongeurs le mangeant, puis le renard mangeant les rongeurs, il y a un cycle naturel. Seule une vingtaine à une soixantaine de cas sont déplorés chaque année en France. De plus, les chiens et chats non vermifugés peuvent la transmettre. Pour éviter de l'attraper, il faut avoir de l'hygiène dès que l'on est dans la nature ou avec des animaux. Certains renards font eux-mêmes preuve d'hygiène et d'astuce en sachant se débarrasser de leurs parasites externes. Par exemple, il a été observé qu'un renard, après avoir récolté dans sa gueule sans l'ingérer une importante touffe de poils de bouquetin abandonnée en début d'été, se plongeait progressivement dans un lac en commençant par la queue et finissant par le museau, restant ainsi quelque temps parfaitement immergé, de sorte que les parasites migrent vers la touffe qu'il abandonna en suite. Certains renards font eux-mêmes preuve d'hygiène et d'astuce en sachant se débarrasser de leurs parasites externes. Par exemple, il a été observé qu'un renard, après avoir récolté dans sa gueule sans l'ingérer une importante touffe de poils de bouquetin abandonnée en début d'été, se plongeait progressivement dans un lac en commençant par la queue et finissant par le museau, restant ainsi quelque temps parfaitement immergé, de sorte que les parasites migrent vers la touffe qu'il abandonna en la rage est une maladie que le renard transmettait autrefois.
Une campagne de vaccination par voie orale a permis de s'en débarrasser rapidement en Europe occidentale, si bien qu'elle ne sévit plus en France depuis 1998. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.